moi, je trouve que c'est très gratifiant, l'insularité. Le fait de pas pouvoir sortir, le fait de pas pouvoir d'être pris un peu sur l'archipel. Il y a quelque chose d'un peu insécurisant dans ça. Si je veux aller faire la route des vignobles, ou aller me promener en Estrie, ou aller me promener dans Laurentides et voir les couleurs, si j'ai pas une semaine, je peux pas le faire. Donc, c'est quelque chose de très limitant. Puis en même temps, quand on est dans une tempête de neige, où les chemins sont fermés, où t'es juste ta petite maison, puis ton poêle à bois, pour, puis ce qu'il y a dans le frigo, puis dans le congélateur pour vivre, on se sent un peu... Il y a quelque chose de très vainqueur, de très victorieux. Il y a comme quelque chose de très gratifiant à survivre à la tempête et sortir aussi dans la tempête. Donc, on s'amuse souvent à aller vivre les conditions extrêmes de la météo ici. Où on fait ce qu'on appelle du tourisme éolien, où on va se promener, chercher l'endroit où il vente le plus. On monte les buttes, puis on va en haut, puis on essaie de voler comme ça. Puis ça fait partie de... Ça fait partie du trip où on se sent un peu survivant de réussir à vivre sur une île, même si c'est loin d'être difficile. Il y a quelque chose de très, très intéressant, je trouve, dans ça. C'est clair que le brassage, c'est quelque chose de très passionnant, au sens où on utilise des matières premières diverses, mais notre but, c'est d'obtenir un produit alcoolisé unique. Puis c'est très difficile de répliquer ce produit alcoolisé unique-là, parce qu'il passe par une panoplie de changements chimiques, biologiques, à travers le processus de brassage et de fermentation, qui font qu'on crée quelque chose de fou. Donc, il y a vraiment un niveau de défi super intéressant à faire de la bière, parce que non seulement c'est difficile d'arriver à un bon résultat, mais d'être capable de le refaire, de le comprendre et de comprendre les ingrédients qu'on est allé chercher dans le champ, puis de comprendre les mouvements et les gestes qu'on a fait. Quand on fait de la bière ici, c'est très senti, il n'y a pas beaucoup d'électronique, c'est beaucoup au toucher, c'est beaucoup à l'observation. Donc quand on arrive à faire quelque chose de vraiment beau, au final, c'est très, très gratifiant. Ben moi, avant d'être brasseuse comme telle, j'ai étudié en art plastique. Mais pour moi, l'art, c'était quelque chose, c'était une manière de m'exprimer, c'était une manière d'être créative aussi. Puis, j'ai découvert un peu la fabrication de l'alcool quand j'ai travaillé au Bilboquet à Saint-Hyacinthe, qui est une microbrasserie qui existe encore. Et puis, mais j'ai eu la piqûre et puis j'ai comme réussi à comprendre que c'était encore de la création, mais en version alcoolisée. Et puis j'ai toujours été intéressé beaucoup par les saveurs. Quand j'étais petite, on allait au restaurant puis je prenais toujours l'assiette avec les plats les plus exotiques que je trouvais, parce que c'est des choses qui m'ont toujours intéressé, dans le fond, le goût, la création. Puis ben je le transporte encore aujourd'hui là, en tant que brasseuse. Ben,
Bien, en fait, moi, les îles, je les connais depuis plus de 20 ans. Ma mère habite ici depuis toutes ces années-là. C'est comme ça que j'ai appris à connaître les îles. Étudiante, je venais travailler tous les étés. Fait que ça a été un coup de cœur immédiat à mon arrivée quand j'avais à peu près 18 ans. J'ai fait connaître les îles par la suite à Élise, qui a eu le même coup de cœur. Donc, le but de partir de la microbrasserie ici, c'était d'abord et avant tout d'habiter ici. Le premier coup de cœur, c'était les îles. Puis ensuite, la deuxième passion, c'était la bière. Donc, on a allié ces deux choses-là ensemble pour pouvoir habiter ici en créant notre emploi. Quand elle m'a fait découvrir cet endroit-là, je suis littéralement tombé en amour. Les belles plages, moi, je faisais du cerf-volant de traction. Je me faisais tirer en ski, puis le vent ici est tellement beau. Puis on avait fait la route pour venir jusqu'ici, et moi, je cherchais des bières de microbrasserie au Nouveau-Brunswick. Je pensais que j'allais trouver plein de bières super tripantes à l'île du Prince-Édouard, mais finalement, c'était un désert brassicole. Il n'y avait rien, il y avait juste des bières de macro-brasseurs. Et donc, j'ai dit, OK, il y a plein de tourisme, les plages sont belles, la météo est magnifique, il n'y a pas de brasserie, il faut faire quelque chose. On a commencé la microbrasserie donc en 2001, on a commencé à travailler là-dessus, puis on a ouvert en 2004. À l'époque, c'était quand même compliqué pour nous. Les gens ne croyaient pas du tout à la microbrasserie. Je me souviens de d'avoir tapé sur la table du banquier pour dire « Non, mais elle va être bonne la bière, on va voir à travers. » Puis, tu sais, ils ne croyaient même pas, ils pensaient qu'elle allait être brune puis que les gens allaient être malades. Là, tu sais. Donc, c'est sûr que les temps ont changé. Puis on se rend tranquillement compte qu'on était des pionnières parce que je crois qu'il n'y avait aucune microbrasserie à l'est de Québec. Parce qu'à l'époque, on avait des modèles comme Boréal, comme Cheval Blanc, comme Charlevoix, Dieu du ciel et tout ça. Donc, c'était eux pour nous, nos modèles. Donc, on était les tout petits. Puis, je pense que la première fois qu'on l'a vraiment réalisé, c'est quand justement on a fait la route des bières de l'Est du Québec, là, quand on nous a présenté la carte, puis on a vu qu'on avait, dans le fond, on était les premiers de toute cette région-là. On a fait dire, ah oh, oui, OK, on n'est plus les tout petits, là. Il faut arrêter de se penser. On fait partie des vieux de la vieille maintenant, là. Donc, on avait seulement 2 produits la première année, 3 la deuxième. Puis, 14 ans plus tard, on a 25 bières au menu. Je suis arrivé avec mes connaissances, mais je ne voulais pas montrer à personne quoi faire. Je voulais plutôt apprendre de ce qu'il y avait ici. Puis j'ai été agréablement surprise de ce qu'il y avait ici. Donc je me suis mis à me promener un peu dans le bois pour me rendre compte qu'il y avait plein de plantes, plein de fleurs, plein de choses aromatiques. Et le fait d'être sur une île, on est à la fois c'est dommage parce qu'on n'est pas influencé par les autres et donc on ne voit pas toutes les nouvelles tendances qui naissent au niveau brassicole, puis on n'est pas au courant des nouveaux marchés. Donc parfois les gens nous le reprochent, ils nous disent « Ah, mais pourquoi vous ne faites pas tel type de bière? Pourquoi vous ne faites pas ça? » Mais de l'autre côté, on crée un chemin qui nous appartient, une idéologie qui nous ressemble, puis c'est peut-être ça aussi qui fait le succès de l'Abri de la tempête. Là. Je pense que notre identité profonde, c'est vraiment au niveau de l'insularité. Donc, on a fait beaucoup de maillage avec les producteurs, avec des artisans, avec les gens d'ici, les histoires d'ici, pour mettre ça en valeur. Oui, on met le terroir en valeur, mais aussi les gens. Ça a toujours été notre ligne de travail. Donc, c'est vraiment une microbrasserie extrêmement locale parce que c'est vraiment les gens, leur histoire, leur milieu. Chaque bière a son identité, chaque bière a sa personnalité et c'est tout en lien direct avec les îles ou avec une histoire qu'on a vécue ici. Là. L'association avec le fumeur d'antan, c'est Élise qui a eu l'idée de faire fumer du grain-là. Donc,
de la méthode aussi pour le faire. Puis le fumeur d'antan a été tout de suite très ouvert là, à nous ouvrir les portes de son fumoir. Donc, c'est, on étend le grain sur des grands grillages. Puis c'est suspendu dans le fumoir parmi le hareng. C'est un peu comme une cabane à sucre. Et là, moi, j'ai retrouvé mon essence de Hilaire Montaise, de fille de Montérégie, c'est-à-dire qu'une cabane à sucre, bon, c'est un vieux bâtiment en bois dans lequel qui n'est pas chauffé, puis dans lequel il y a le feu parce qu'on fait évaporer de l'eau d'érable. Mais le fumoir d'antan, c'est similaire. Il y a les poissons qui sont pendus dans le toit du truc, et c'est un vieux système, c'est très artisanal, et moi, je suis en amour avec les vrais trucs comme ça. C'est un peu ce que je recherche à travers ma démarche brassicole. Mais on a fabriqué un malt qui était vraiment très goûteux la première année. La première bière qu'on a faite avec ce malt-là, ça goûtait juste la boucane, ça goûtait le poisson, c'était vraiment pas bon. Et j'ai fait, OK, bon, on a une belle matière, mais on l'a clairement, ça fonctionne pas comme on souhaiterait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste arrêté. On a mis les poches de grains de côté, on a mis la bière de côté. Et puis, moi, à peu près à tous les 3-4 mois, j'allais goûter la bière. Puis, après un an et demi, j'ai goûté, puis je dis, OK, là, il y a vraiment quelque chose. On dirait que j'ai compris que la saveur fumée s'était affadie un peu, que la saveur de boucan était moins forte. Et puis, bon, OK, on réessaie en mettant moins d'orge. Et puis, on a créé comme ça la Corps Mort, qui est une magnifique bière, qui est en rapport avec le fumoir d'antan, qui porte plein de sens. La Corps Mort, c'est autant une île qui est ici au large, qui s'appelle le Corps Mort, c'est aussi toutes les milliers de harengs qui sont suspendus, qui sont pendus dans le fumoir, et puis qui sèchent pour donner toute cette saveur-là, toute leur âme à ce grain-là. Donc, ouais, c'est comme ça que ça naît, la création. Avec Mario, on a comme décidé de dire, bon, t'es un plongeur sous-marin. Qu'est-ce que tu dirais d'aller porter de la bière sous la glace, puis on va te faire quelques barils de bière, puis ça va être pour ton pub, tu sais. On a creusé des trous dans la glace avec Carlo, un pêcheur de moules de la grande entrée, puis on a descendu les barils qu'on avait emmenés en quatre roues, puis sur des traîneaux pour aller mener au fond. C'était vraiment une expérience vraiment tripante. Et Mario Cyr a plongé dans le trou pour aller ancrer tout ça et préparer ça comme il faut. Et puis ce printemps, moi et Anne-Marie, ma partenaire, on est partis en mer avec, encore une fois, le pêcheur de moules pour aller repêcher nos bières, pour les sortir de l'eau. On a trouvé des étoiles de mer et des trucs qui avaient poussé sur nos petits trésors. Et puis, ben, c'est ça, on a goûté. Et là, on a fait comme, OK, c'est vraiment intéressant. On pensait d'en avoir plein, et ça a disparu en quelques jours. Moi et Anne-Marie, on a essayé de s'ancrer dans notre terroir, puis de faire fleurir quelque chose qui était déjà là, mais que personne ne connaissait. En fait, il n'y avait pas d'expérience brassicole ici aux îles avant, donc on a juste mis en lumière, en fait, quelque chose qui existait déjà, le terroir des îles, puis je pense qu'aujourd'hui, les gens le reconnaissent.